Bonjour à toutes et à tous, c'est Mister Antonax et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ma collection de télépods Angry Birds Star Wars 2. Regardez, là j'ai préparé le papier pour vous montrer les figurines. En tout, il y en a une trentaine à peu près. Attendez, je cadre bien. Voilà, vous voyez un petit peu toutes les figurines. Bon, bien sûr, je les ai pas toutes, hein, mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Ensuite, le derrière pour vous montrer les autres figurines. Bon, voilà. Je pense que c'était le moins intéressant. Alors, on va commencer par la présentation des figurines de la saison. On va commencer par. Ouais, de la série 1, on va commencer par les oiseaux. Alors, voici le capitaine Panaka. Voilà, je fais le petit tour pour que vous voyez bien la figurine. Ensuite, Luke Skywalker Jedi. Voilà. Ensuite, le Jedi Yuuzhan. Voilà. Ensuite, Maître Yoda. Ensuite, Jar Jar Binks. Voilà. Ensuite, la princesse Padmé Amidala. Ensuite, Yann Solo. On continue avec Luke Skywalker Endor. Voilà, on continue avec Qui-Gon Jinn. Voilà. On continue avec Luke Skywalker Pilote. On continue avec C3PO. On continue avec Obi-Wan Kenobi. On continue avec Anakin, épisode 2. Voilà. On continue avec Anakin, épisode 1. Voilà. On continue avec R2-D2. Ensuite, la princesse Leia. Ensuite, le dernier de mes oiseaux de la série 1, Mace Windu. Voilà. Maintenant, on va faire les cochons de la série 1, en commençant par l'empereur Palpatine. Hop, voilà. Ensuite, le comte Dooku. On continue ensuite avec le Biker Scout. Ensuite, inconnu, Dark Maul. On continue avec le T-Fighter Pilote. On continue avec le général Grievous. On continue avec, encore inconnu, le seigneur Dark Vador.
Voilà. On continue avec Droïde DK. Ensuite, nous avons Jungo Fit. Ensuite, Boba Fit. Ensuite, Anakin, épisode 3. Ensuite, Zamwizel. On continue avec le Battle Droid. Et on termine avec le Stormtrooper. Voilà, maintenant on va entamer avec les oiseaux de la série 2, en commençant par Londo. Voilà. Ensuite, Yann Solo dans la carbonite. Et pour finir, un Ewok. Ensuite, dans la série 2 des cochons, vous avez Jabba le Hutt. Ensuite, un sbire, tout simplement. Et pour finir, le plus beau, le garde impérial. Et voilà, c'était la présentation de mes figurines. Et je vais vous montrer aussi le portail pour téléporter vos figurines dans l'application Angaba Star Wars 2. Et je vais vous expliquer aussi comment ça fonctionne. Vous prenez une figurine, vous la mettez sur le portail. Ensuite, il y a une petite loupe, je sais pas si vous voyez là. Vous voyez là, on voit un code en dessous de la figurine. Ce code sert en fait à identifier la figurine si vous le mettez sur la caméra de la tablette ou de votre iPhone ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'était pour ça ce petit tuto. Et donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce vert. D'ailleurs, dites dans les commentaires quelle était votre figurine préférée. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde pour de nouvelles vidéos.